Virginie. Bonjour. Est-ce que tu voudrais bien nous parler aujourd'hui de ce que tu viens de faire là au bord de la cascade? Ok, oui. Je vais parler de la médecine de la cascade et des êtres qui se trouvent dans la cascade. Donc la cascade qui est ici, c'est une cascade où vient souvent travailler, il y a même des personnes. Et aujourd'hui en plus elle coule vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup d'eau et on a pu constater qu'il y avait vraiment un impact vibratoire très fort. Donc il y a plusieurs choses. Déjà la cascade a sa propre médecine, c'est-à-dire qu'elle a un impact vibratoire très fort sur nos corps éthériques, corps émotionnel, corps mental. Il y en a qui vont dire que c'est l'illusion négative qu'elle donne. Et c'est vrai qu'on peut sentir un bien-être, mais je me sens là vraiment très très bien. Je crois que toi aussi d'ailleurs. Donc ça c'est un premier travail, donc se connecter à l'esprit de la cascade et recevoir tous les bienfaits dans tous ses corps en fait. Il y a un nettoyage qui s'opère et donc ça rejaillit sur le corps physique. Ensuite il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi un être qui habite dans cette vasque là, et qui est une vouivre. Et la vouivre c'est un esprit de la nature, qui est dans une fréquence vibratoire plus élevée que la nôtre. Moi je dis qu'elle est en 9e dimension. Et c'est en quelque sorte une sorte de serpent, elle est un peu serpentine, même beaucoup. Et quand je la vois, je la salue, elle m'a donné son nom, donc je peux l'appeler par son nom. Et à ce moment-là, elle rentre dans mon corps, elle passe par le chakra 1, elle ressort par le 3, elle re-rentre par le 4, et elle me coiffe comme ça. Et à ce moment-là, elle travaille sur tout le canal central, le canal donc de la Kundalini, et sur les deux canaux qui sont le chakra, qui sont Inda, Pingala, les deux cobras. Donc ça fait un moment que je travaille avec les vivres, et ça fait un moment qu'elle travaille sur ce canal-là. Et quand j'amène des personnes, comme toi tout à l'heure, elle propose un travail avec les personnes. En intégrant, elle va travailler sur ce canal aussi des personnes. Voilà.